Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous espérons que vous avez passé un bel été rempli des merveilles du Seigneur. Quant à nous, nous sommes dans l'action de grâce puisque nous fêtons cette année notre 50e anniversaire de fondation. Au courant de l'été, un documentaire sur l'historique et l'apostolat des pauvres de Saint-François a été réalisé par Francis Denis, un professionnel dans ce domaine. Le documentaire est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez le visionner en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Merci de joindre votre prière à la nôtre pour supplier le Seigneur de nous accorder de nouvelles vocations, généreuses et fidèles, pour le service du Dieu trois fois saint et le service de l'Église notre Mère. D'un seul cœur, demandons au Seigneur la paix dans nos familles et entre les nations. Demandons la fin de toute guerre qui est un scandale et une honte pour l'humanité. Gardons ferme notre espérance en les promesses du Seigneur, car il est le Dieu fidèle. Une bonne prière. Fais briller
d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit retourner, fils d'Adam. À tes yeux, brillants sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu étales nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. Sous tes fureurs, tous nos jours s'enfuient, nos années s'évanouissent dans un souffle. Le nombre de nos années 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elle s'enfuit, nous nous envolons. Seigneur, qui comprendra la force de ta colère, qui peut t'adorer dans tes fureurs. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Rends-nous en joie des jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Consolide. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Aucun homme ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis : Ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils ne font pas de réserve dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous le dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, ne ferait-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger » ou bien « qu'allons-nous boire »
ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous souvenant que le Christ eut pitié des foules, nous le prions. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous tenons de ta bonté la joie de ce jour, qu'elle te revienne en action de grâce. Seigneur, exauce-nous. Toi, lumière et salut des nations, sois la force des témoins que tu as envoyés. Seigneur, exauce-nous. Toi qui entends le cri du malheureux, garde-nous d'être sourds aux appels de détresse. Seigneur, exauce-nous. Médecin des âmes et des corps, visite-nous et guéris-nous. Seigneur, exauce-nous. Souviens-toi des morts tombés dans l'oubli. Accueille-les dans ton royaume éternel. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions, demandant tout au Seigneur qui exauce la prière des petits et des humbles.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu créateur de l'univers, tu as voulu associer l'être humain à ton ouvrage. Regarde le travail que nous avons à faire, qui nous permette de gagner notre vie et serve par ta grâce à l'avènement du royaume du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. De la mort subite et imprévue, délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous.